Okay. Ok. J'ai eu un petit souci VOD YouTube, vous verrez pas le début. De toute façon, tout le monde a déjà entendu parler du jeu. On joue à Minecraft Dungeon et je refais un perso pour essayer de repexer un perso, ce qui me permettrait de potentiellement jouer avec Jojo plus tard. Voilà. Explorer pour un peu plus. Vous n'avez pas pu sauver les villageois, mais gardez espoir. Il existera toujours des populations attendant l'arrivée d'un héros. Alors, en fait, j'ai déjà le jeu sur Switch. Et je me suis dit, quand même, je vais pas jouer à ce jeu. Je suis perdu. Alors que je l'ai déjà sur Steam. Y a pas un système de level up? Parce que je suis monté level 2, mais ça sert à quoi? Ça. Là, on est dans notre spawn, hein. Oh, ça va être chiant, ça. J'ai plus trop ce qu'il y a. Je trouve que le jeu est une semi-réussite, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des très bonnes choses en termes de game design et de contenu qui permettent d'avoir finalement un bon game design. Et pour moi, il y a des énormes conneries, un énorme ratage sur d'autres points. Donc là, je vais aller. Ici, je suis en fou furieux, je joue direct en difficulté. Vénère. En plus, décret de l'arche illageois, oh, je vais tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'empire illageois. Quelque part dans les bois, une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler. Trouvez la caravane. Et stopper les villageois, ou nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler. Ok. Forcément le meilleur buff sur mon arme. Ah,
Merde. Fait baiser en vrai. Oula. Et vas-y. Ta mère. En fait, je sais pas trop comment ça marche au niveau des points si on a... Je m'en rappelle plus trop. Ça fait un moment que j'ai joué en vrai. Ça se passe plutôt bien. Je me demande s'il n'y a pas un truc ici vu qu'ils ont mis autant de bestioles. J'aurais pas mis un coffre là. Mais je suis pas perdu en clé. Laisse-moi visiter la map. Ça c'est le problème que je reproche d'ailleurs au jeu. C'est qu'en fait il te laisse pas visiter, genre il est tout de suite en mode ouais tu t'es perdu. Alors qu'en fait, si tu crées une map avec autant de zones ambiguës pour l'explorer, laisse le joueur aller l'explorer s'il en a envie, en fait. C'est pas bien de faire ça. Voilà, c'est joli. Alors là, je prie juste pour trouver une autre arme au corps à corps parce que j'ai fait vraiment de la merde en vrai.
Ouh. Marchand du village découvert. Ok. 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 Oh merde. Ok, il y a des petits trucs là-bas, on va aller voir s'il y a un truc intéressant. Genre de donner des zones comme ça alors que t'as rien à looter, je trouve ça un peu dommage en fait. C'est le truc que je reprochais déjà au jeu. Où je trouve que les devs ont une bonne idée de game design en termes de positionnement de map, de bifurcation, etc. Mais alors sont nuls à chier dans le fait de récompenser le joueur qui va vraiment vouloir tout explorer. En fait, ça vaut. En fait, c'est tellement de la merde que. En fait. Bah c'est mieux de rusher l'objectif en fait. Ah oui, c'est vrai, putain, ça bloque pas, je suis trop con. Je suis là, boum, les dégâts. C'est vraiment la pire amélioration que j'ai pris. Ok. J'ai même pas eu le temps de me retourner. Putain, il m'a mis une baffe. Bon, après, c'est my bad. Hein. Je suis parti sur la pire rune sur mon arme. À quel moment c'est une bonne idée? C'est la question.
Ok, donc là on est bien, ce qu'on a pu les tuer. D'ailleurs, en fait, ma forme d'ombre elle sert à rien parce que parcourir plus vite, les mecs me voient quand même. Donc j'ai envie de dire, à quoi sert-elle ? Ok. Saloperie. Ok, je voulais le dégommer juste pour aller looter le coffre. Le pauvre. Ok, bon, on est bien. On va aller avancer dans l'aventure. Je sais plus du tout où on doit aller, jusqu'à où on doit aller en vrai. Parce que là il y a les araignées, après le truc c'est que normalement on doit arriver à un village ou... Ah c'est là. Et là on doit libérer tous les villageois. Donc moi comme je disais, en fait j'ai acheté le jeu sur Switch et n'en plaise à certains, le jeu est au petit à la bite avec la Switch. Hein. Oh le bâtard! Oh le petit bâtard! Ah, c'est des bâtards de faire ça à chaque fois. Oh la vache, le petit bâtard! On va attendre. Ok. Oh, il m'a mis un petit coup de pute là. J'étais pas prêt. Mais putain! Arrête de me taper, toi!
Ok. Ok, on a fait le tour. Hein. Et il die. Avec les moutons. Alors, attendez, parce que le truc, c'est qu'on est d'accord que... On recycle. Et on obtient des enchantements pour enchanter le truc, donc... Oh, c'est fort, ça, c'est fort. Et ici là. Au niveau de la map, je dois aller où? Je dois aller par là. L'ambiance sonore est assez cool en vrai. Putain, bande de petits bâtards là. Putain, mais dis que t'as bien, toi. Vous voyez ? Je dois aller par là-bas, et là, les devs ont fait ça ici. Donc on va les voir, mais je vous le dis, il n'y a rien. Ouf. Note à moi-même... La prochaine fois, peut-être faire les creepers alors. Tiens. Oui, ça passe de le faire en DQT. Je suis mort tout à l'heure, mais en vrai, j'ai... parce que j'ai mal joué. Hein. On meurt pas dans le jeu. C'est un truc qui me fume vraiment, ça, c'est le fait que... Y'a rien! Là je peux continuer, je vous jure qu'il y aura... Ah si, y'a un coffre. Y'a rien! Bon, la plupart du temps y'a rien, mais bon. Là, je suis content qu'il y ait eu un truc. Je ne serai plus mauvaise langue. Bon après c'est de la merde hein, ce que j'ai eu. Et heureusement pour moi, je peux rentrer facilement. Je farmerai peut-être un peu en off et parfois en live, hein. Ça dépend de mon humeur si je veux live et tout. Là je live sans cam donc on est en mode chill. J'ai pas envie de m'éclater les yeux avec ma lumière dans la gueule. D'ailleurs, je sais pas comment ils font certains, genre
Je suis d'accord que c'est presque une logique maintenant de filmer toujours en... Et voilà, c'est compliqué, hein. Oh la vache, putain. Oh la vache. Ces villageois ont été libérés de l'emprise des villageois. Tout ça grâce à vous. Ok. Ils ont coûté, il faut voler les villageois. Ça me fume en tout cas de devoir jouer au jeu sur. Sur cette version là, entre guillemets, cette version de, du jeu. Oh oui. Oh, c'est intéressant ça, on peut réapprendre. Ok. Ok. Bon, on va y retourner, hein. De toute façon, je sais pas si, à part recycler les items, est-ce qu'on peut enchanter en fait les armures. Je n'ai pas d'intérêt à l'enchanter. On va finir d'enchanter le Gouloum Gouloum. Mais attends, mais je comprends pas. Ok, attends, ça je viens de le faire. Je viens pas de le finaliser, ça? Je comprends plus rien. Ah, oh, je l'aime pas celui-là. On n'a pas du go. J'aime pas les sorcières. Elle pète trop les couilles. Et j'ai pas de stuff en fait. Et ça va me casser les glaouis. Surtout que je suis giga lent. Déjà que mes armes ne font plus autant de dégâts que ça. Si j'augmente la difficulté, de toute façon, comme tout jeu qui se respecte, le principe c'est quand même d'augmenter la difficulté pour pouvoir. Ah, je voulais qu'il reste dedans, c'est pour ça que je l'ai maintenu à l'intérieur. Ça me fume le chien, il a tellement de flèches. Très bien. Ah, vous voyez ça? Sorcière de merde. Surtout, sorcière, moi, pas avoir de dégâts contre toi.
claquer ça parce que sinon on est trop dans rien. Oh mon chien qui me carie la bite. Attends. Oh, je suis mort. Allez, viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Allez, dégage. Oh, j'ai vraiment chaté en vrai. Je méritais de die. Oh yes. Merde. Mais quoi? Ok. Oh, salope. Oh, trop fort le chien! Oh, le chien, c'est un monstre! Ah! Ok. Oh, le creeper, c'est un monstre aussi! Il m'a glory kill! Ah, quand j'ai vu que je pouvais pas tomber dans le vide, j'ai oublié que je pouvais pas. J'ai fait. Ah! Barry Poncu! Oh, putain, mais je fais trop de la merde, c'est un truc de ouf! J'aurais dû le frapper, j'aurais dû le frapper. Ah si, je peux. Pourquoi tout à l'heure ça n'a pas marché?
Oh, j'aime trop les lances. En vrai, j'avais une lance giga broken légendaire à un moment. Je sais pas si c'est la c'est pas l'une des meilleures armes, mais c'est vraiment jouissif à jouer par contre. Quand t'as une bonne lance qui a une vitesse d'attaque de fils de chien. Mais tout à l'heure, en fait, le creeper qui m'a explosé la gueule. Ils sont tous morts, en fait. Putain, sa mère la... Et quoi? Pourquoi je peux plus attaquer? Il m'a mis une baffe, frère. Oh putain, salope. Parce que là, il y a eu beaucoup, beaucoup trop de trucs. Chance de 1, après avoir créé une créature, une chance de 1, des attaques de 1. Mal ça. Bon, attendez, je suis mort deux fois là, hein, parce que tout à l'heure je suis mort sur les creepers et là l'Enderman vient de me retuer, donc théoriquement j'ai plus de réa, si je dis pas de bêtises.
Bon, après, je m'étonnerais d'avoir un boss aussi vénère que l'Enderman. Ça, il y avait une... Je meurs. Salope. Ok, j'ai cru qu'il y avait un truc, mais en fait il y a rien. Ah, c'est vrai que c'est un proc champ, c'est pour ça que je le proc pas tout le temps mon bonus de vitesse d'attaque. Je comprenais pas. Je me disais, mais wesh. Il veut pas proc. On va te faire demi-tour pour voir s'il y a un truc. Y'a rien. Oh, je vais éternuer. Oh la vache! Oh j'ai... Ouf, j'ai eu le temps de me mute. À la seconde près. Oh ça va repartir. J'ai éternué sur mon écran, mais un truc de fou furieux. Faudrait que vraiment je nettoie mon miroir juste à côté. Je ferai demain. Pourquoi il y a des ennemis comme ça?
Oh putain, mais pourquoi il y a des ennemis comme ça? J'ai vu full ennemi vénère là. Déjà, je drop pas en pète de stuff et j'ai des ennemis de bâtard. Ça dégoûte. Allez, je vais vous abandonner là. Je reviendrai demain. J'aurai peut-être un peu farm. Je sais pas. On verra. Je vais dépenser un peu d'émeraude, je pense. Donc, je verrai ce que j'aurai. Allez. Ciao tout le monde. Il est tard. J'avais dit que vers 1h, je couperais. Et 1h, parti, on coupe. Au revoir la VOD. Au revoir YouTube. Au revoir tout le monde.